Salut les amis, on va jouer à Command & Conquer, un RTS sorti sur Nintendo 64. Un petit jeu de stratégie, ça fait plaisir. Même sans souris, c'est jouable. Et puis c'est cool d'avoir ça sur la console. Donc on va tester tout ça. Le jeu a un bon humour. Dès le début, ça commence avec une intro toute pourrie. Je vous la laisse. Ça y est, c'est pas énorme, sérieux? Un jeu qui commence comme ça, bah franchement, ça commence mal. Non, mais sinon, le jeu est bien, sincèrement. Bon, alors, comme dans beaucoup de RTS, vous avez deux campagnes possibles. Vous avez les nodes, les méchants et les gentils sinon. Donc vous pouvez commencer une partie ou la continuer. Sur Nintendo 64, 4 missions spéciales sont disponibles, donc les voici. Si jamais vous sauvegardez, vous pouvez recharger votre partie, rejouer une ancienne mission, les munitions, les crédits. Voilà. Donc, bon, on peut régler 2-3 trucs, mais rien d'exceptionnel. Alors, Choose Language. Le jeu est en français et en anglais, et il a été intégralement fait en français. Ça, c'est génial. Puisque quand on aura des briefings de mission, en plus on vient de tester Chopper Attack, il y a deux vidéos, il y avait des briefings tout pourris. Là on a enfin des vrais briefings. Donc on va faire une première mission et donc on peut choisir voilà, groupe de défense internationale ou confrérie du Nord, les scorpions contre les aigles, on va dire ça. D'accord? Donc on va refaire cette campagne, on va l'effacer et la recommencer. Juste la première mission, on va pas se prendre la tête à faire des missions de ouf. Le but, c'est de vous montrer que c'est un bon RTS. Alors, je vous laisse le briefing, c'est en français. Est-ce que vous me recevez? Je sais que vous voulez une information, mais nous sommes dans le pétrin. Le node a fortifié cette tête de pont en X16 et Y42. Les services secrets y travaillent encore et nous ne savons pas grand-chose. Mais nous avons trouvé leur faiblesse. Le commandant Carter et ses torpilleurs peuvent vous débarquer avec vos forces ici sur la côte. Les armes de ces torpilleurs pourront vous couvrir, mais c'est surtout du travail du soldat. Votre mission est simple. Détruisez les fortifications, éliminez les troupes du node et établissez une tête de pont construisant une barque. Bonne chance. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Le général Shepard est très sympa. Il vous explique comment jouer. Donc là, on a un petit truc qui nous explique. Pareil, voilà, utilisez le stick pour sélectionner les différents trucs avec le bouton A. Bon, alors c'est pas compliqué. On a la bestiole en bas là déjà qui s'occupe, qui est déjà programmée pour tout péter. Donc nous, on est ces petits missions. Donc on va se balader. Comme tout bon RTS qui se joue à la souris, là on n'a pas de souris, donc en fait on la bouge avec le stick. On appuie sur A et puis ensuite on peut bouger de façon à sélectionner qui on veut. Donc là, on va prendre tout le monde et on va se balader, on va faire une petite opération. Destruction. Le but du jeu est de détruire tous les méchants du node, histoire de remplir l'objectif. Voilà, faut faire de la place sur la map, qui, ma foi, pour la première mission, est toute petite, histoire de commencer tranquillou. D'ailleurs, on ne fera que ça dans la vidéo, parce que c'est déjà pas mal, histoire que vous puissiez voir un petit peu comment fonctionne le jeu. On va pas construire des bâtiments et des trucs de ouf,
pourra pas dans cette mission faire des trucs de malade. Voilà, tout ce qu'on peut faire est ici là-dedans. Pour l'instant, on ne peut rien. Alors, en appuyant sur Z, c'est disponible. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment de la visite. Il faut qu'on fasse les éclaireurs de façon à faire de la place. C'est ça l'objectif principal de la mission. Et puis voilà. Donc, Command & Conquer, c'est le seul RTS sorti sur N64. Donc forcément, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Mais ça tombe bien parce qu'il est plutôt bien foutu. Et puis, ça répond assez bien. En fait, il y a même donc des missions spéciales en plus. Et puis, c'est vrai que sincèrement, quand on a ce portage sur 64, on est assez content puisque c'était pas dit qu'il arrive. Hein. Il est vraiment arrivé beaucoup plus tard. Alors, merde, j'ai perdu le petit fil. Là. Donc là, l'objectif est assez simple, on va se balader un petit peu. Ça répond très vite, hein, comme vous pouvez le voir. C'est assez cool. Donc tout à l'heure, j'ai fait d'autres missions avec des objectifs un peu plus durs. Ça gagne vite en difficulté, hein, j'ai trouvé. Faut vraiment bien regarder les commandes et tout avant de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas facile. Voilà, là, fallait fouiller tout le monde. Pas mal aussi la petite cinématique là, avec le petit largage de bombes sur les méchants du node. Analyse du combat. Bon, on va regarder le début de la mission 2 quand même, ça pourrait être sympa. Mais c'est qu'on est fort là. Bon, on va continuer. C'est pas mal ce petit truc qui vous montre où est-ce que c'est. Sur la mission 2, le briefing est encore plus complet, on vous explique exactement où vous êtes. Voilà, donc là on est en Europe occidentale. Et puis ça vous explique un petit peu qu'il y a des terrains alliés et les terrains ennemis. Donc à gauche en jaune les terrains alliés et puis en rouge les terrains ennemis. Donc section du territoire à attaquer, voilà, je pense que c'est l'Estonie. Non, je plaisante, c'est écrit juste après, j'y connais rien en géographie, je suis très mauvais. Et puis c'est marrant, ça vous donne la population, 1 607 000, les coordonnées, blablabla, blablabla. C'est marrant. Bon, les briefings, je trouve ça assez bien fait, on va laisser le deuxième du coup. Bien joué pour la tête de ton commandant. Je vais pas vous faire avancer sur le node pour savoir qui sont vos ennemis. Voici Kay, celui qui s'est nommé chef de la confrérie de node. Attendez, je vais vous relier. La situation est critique. Vous voulez savoir pourquoi est bloqué cette plage? Il protège une grosse artillerie de Tilerion, mais nous n'avions pas repéré. J'ai besoin de renforts. Les troupes du Nord sortent de leur base et encerclent nos positions. Il nous faut détruire cette artillerie et éliminer toutes les forces du Nord avant de perdre nos positions. Je ne sais pas combien de temps nous tiendrons. Mon Dieu. Vous avez entendu? Qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà, ça c'est super, c'est vraiment un critère super important dans la notation. Ça lui fait gagner des points, il est intégralement en français. Et c'est vrai que le doublage français, ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est très très rare hein, d'avoir un jeu aussi bien foutu. Quoi. Ils ont été patients, ils ont fait vachement de travail là-dessus. Donc ça, c'est super. Donc là, on commence une mission où dès le départ, vous êtes dans la merde. Il faut réparer votre bâtiment de façon à ensuite construire des choses, etc., etc. On va pas la faire parce que là, sinon, j'en ai pour... Mais pour un bon petit moment, à la limite, je pourrais vous montrer l'essentiel de cette mission. Voilà, on va être, on va avoir des renforts via des ingénieurs qui nous permettront d'aller capturer des bâtiments de façon ensuite à continuer la mission en construisant. Vous savez comment ça marche, hein, voilà, vous chopez des ressources. C'est un RTS, hein, donc forcément, il faut construire une bonne base avec de bonnes attaques de façon à anéantir l'ennemi. C'est très stratégique, il faut être patient, il faut réfléchir, ça demande beaucoup de temps de préparation. Donc c'est un genre, moi c'est loin d'être mon genre préféré, mais j'avais adoré StarCraft. Donc c'est vrai que bon, StarCraft il n'est pas sorti en Europe, mais il est en version PAL. Donc bon, les RTS en général c'est plus sur PC, sur 64 c'est un peu le désert. Donc là on va aller se promener en mode je m'en bats la race. Donc la caserne, là elle est là, caserne, parce que, oui c'est écrit. Ça nous permet de construire des petits bonhommes. Voilà, donc on va en construire un, mais bon, enfin entre guillemets, on va créer un militaire. De façon à avoir un peu plus d'armée. Mais c'est vrai que c'est très long et il faut être patient. Et puis de toute façon, c'est le genre qui veut ça. Hein. Faut préparer une attaque, là je le fais à l'arrache, on va se faire éclater la tronche, ça va être marrant.
Donc voilà, en gros, il fallait aller juste en face, ils sont juste à côté. On va essayer de détruire leur raffinerie cette fois-ci. Tout à l'heure, je l'ai même pas fait. J'avais fait autrement. Donc là, forcément, on se fait défoncer. Ça vous prouve bien que si vous attaquez à l'arrache dans un RTS, ça finit par une défaite. Et puis j'ai même réussi à capturer leur truc juste avant de crever. Donc ça me permet de... Voilà, je peux construire des trucs, mais j'aurai jamais le temps là. Une centrale, ça a tout explosé. Donc voilà, forcément, mission échouée puisque j'ai fait ça à l'arrache. Donc les bons points du jeu, c'est ça. Il est en français, il est bien foutu. Et sur 64, il n'y en a pas beaucoup, donc ça fait plaisir. Donc voilà, vous pouvez jouer le Node, vous pouvez jouer les aigles de guerre jaunes là, les alliés. Donc le jeu est long, il y a pas mal de missions, donc en durée de vie aussi, il gagne pas mal de points. Et le jeu n'est pas si rare que ça et pas si cher. Donc pour une cartouche en loose, il faudra compter 10€. Et le jeu complet, il va falloir compter 30€ minimum. Donc voilà, allez, on passe à l'ardoise, on va noter tout ça. Hop! Donc voilà, 10€ une cartouche en loose, 30€ le jeu complet. Intérêt scénario, c'est un bon RTS, un bon jeu de stratégie, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez rare comme je le disais, sur 64 pour être souligné, donc il faut prendre Command & Conquer, il est vraiment pas mal. Point de vue graphisme, tout est bien modélisé, j'enlève un petit point parce que les personnages, des fois on les confond, les ingénieurs avec les militaires, l'infanterie, les soldats, etc. C'est compliqué de s'y retrouver, même les tourelles avec les véhicules de transport et de construction, et aussi les tourelles d'attaque ou de défense sont assez... comparable, donc c'est chaud à les différencier pour les graphiques et en plus compliqué de s'y retrouver, ouais. Donc ça zoome pas trop, c'est difficile de savoir qui est qui. Point de vue gameplay, ça se joue bien, la souris est efficacement remplacée par un curseur qu'on bouge au stick et qu'on peut bouger rapidement, donc c'est bien. Difficile d'être très précis parfois par contre. Point de vue bande son 3,5 parce que les doublages sont en français, le jeu est aussi en anglais et les musiques sont sympas, elles accompagnent bien le champ de bataille. Durée de vie, beaucoup de missions avec des missions spéciales. Donc au moins 3 sur 4, j'aurais même pu mettre 3,5 pour faire un 16 sur 20. Ça serait passé largement. Donc voilà, Command & Conquer, si vous aimez, c'est même pas la peine de réfléchir, c'est un bon jeu. Sur 64, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est génial. Allez, je vous laisse les enfants, le prochain test, ça va bombarder. Ça sera Conquer Bad Fur Day.